Salut à tous, je reviens aujourd'hui dans une vidéo un peu particulière. Je vais essayer de pas trop vous faire bouger parce que je tiens le réflexe à bout de bras, il est un peu lourd. Je vais vous filmer ma chambre d'adolescente, c'est une chambre dans laquelle je suis depuis 6 ans environ, sachant que j'ai 22 ans, ouais, ça ferait depuis mes 16 ans, que j'ai jamais refaite en fait parce que c'est pas trop possible. Et voilà, donc là, fin du mois de septembre, je vais avoir mon premier appartement et je trouvais que c'était une bonne idée de filmer ma chambre. Et de vous montrer voilà ma chambre d'ado et un peu voilà de faire un souvenir de cette chambre. Donc je sais pas trop comment je vais filmer, on va voir et on va tout de suite commencer. Donc lorsque l'on rentre dans ma chambre, elle est comme ceci. Hop là, il y a ma fenêtre et voilà, ma porte est là. Donc on va commencer par ce côté. Donc j'ai deux porte-manteaux. Un avec mes peignoirs, donc j'ai deux peignoirs et après j'en ai un avec trois blocs et dessus bah il y a mes foulards et tout ce qui est manteau. Juste en dessous j'ai un gros sac où il y a tous mes produits à vendre, vous retrouvez sous le blog une partie à vendre. Donc comme vous voyez il y a mes Sims, il y a des chaussures, des vêtements, des bijoux, maquillage, beauté. À côté j'ai mon petit coin photo avec mon trépied et en dessous c'est mon sac que vous voyez pas trop avec mes deux extensions, mes deux objectifs. À côté j'ai la housse de trépied, là j'ai un parapluie. Ensuite j'ai un premier meuble. Hop, alors au-dessus là j'ai des produits que j'ai eu dans la... Jacotte, dans la box Jacotte que je dois tester. J'ai mon parfum Alien en petit format qui est fini, ma boîte à lentilles, une houppette qui doit venir de chez Jiffy. Là j'ai un bloc avec des rouges à lèvres, ceux que j'utilise le plus, ou des trucs que j'utilise pas du tout mais que je sais pas où foutre. Ensuite j'ai deux pots, un pinceau qui sont de la marque Elite que j'ai acheté au Leclerc. Donc dans le premier pot c'est tout ce qui est fond de teint, enfin pour le teint, et dans le deuxième c'est tout ce qui est pour les yeux. Ensuite j'ai une pince, j'ai une première éponge de la marque Eblin. Il y en a une à gagner dans mon concours, celles qui me suivent sur Instagram savent que je prépare un concours. J'ai des éponges encore et là j'ai mon gros pot avec tous mes rouges à lèvres. Pareil, je vous avais fait une vidéo sur le tag là, All About Lipstick. J'ai un miroir, mes vitamines, et ça c'est des gélules pour les cheveux que je suis en train de tester aussi. Ensuite là j'ai une autre, un petit rangement bleu qui vient de chez Jiffy, et au dessus j'ai mis un fond de box où dedans j'ai mis un peu ce qui traîne, pareil, mes fonds de teint, des 2-3 pinceaux. Là j'ai des pinceaux qui sont tous ceux qui sont à double embout. Ça c'est un pinceau qui vient de chez Emma, pareil, il y en a un gagné dans mon prochain concours. Nettoyant pinceau, nettoyant pour les mains, ça c'est du spray de finition. Ensuite là j'ai tout mon maquillage, donc là j'ai tout ce qui est encore des fonds de teint, anti-cerne, poudre. Là j'ai pareil des poudres, poudre bronzante, bronzer, blush, produit pour les sourcils. Là j'ai tout ce qui est, là j'ai des aqua cream, j'ai des trucs je mets, j'ai des crayons comme ça qui viennent de chez Claire's pour faire des bases, j'ai ma base NARS. Et en dessous j'ai tout ce qui est mascara et crayon, eyeliner, eyeliner et tout ça. Ensuite dans mon meuble, dans le premier tiroir, il y a toutes mes palettes qui sont sur le côté. Ça c'est des cotons-tiges spéciales pour le démaquillage. Et en dessous j'ai une boîte avec des bigoudis, des chouchous et tout. J'ai ma serviette pour mes cheveux, mes extensions, mon truc à lentilles. Et en dessous j'ai mes bigoudis, j'ai mon sèche-cheveux. J'ai mon lisseur, mes deux fers à boucler. Là c'est tout ce qui est dessous et puis chaussettes, collants. Et là c'est ça c'est une partie de mon stock. Là c'est tout ce qui est pour les lentilles, les yeux, ma colo. Ça c'est une boîte, des boîtes fourre-tout. Et ça c'est ma boîte avec mes faux cils.
Dans le petit coin là, j'ai ma trousse de toilette avec en dessous des espadrilles. Et là, j'ai un deuxième meuble qui vient aussi de chez Jiffy. Hop. Donc au-dessus, bah, j'ai mes lunettes, des cotons. Ça, c'est des chaussettes que je garde de côté pour l'appart. Ensuite, j'ai là, c'est tous mes produits pour me démaquiller le soir. Enfin, tout ce que je dois, tout ce que j'utilise matin et soir. Donc, il y a mes déos, il y a mes crèmes. Voilà. Ensuite, c'est tout ce qui est pour cheveux. Donc, brosse, lac, shampoing sec, chouchou, poudre, démêlant, etc. Hop. Ensuite, là, j'ai tout ce qui est pour le visage, donc masque et gommage. Ensuite, j'ai tout ce qui est pour le corps, donc gommage, rasoir, gel rasoir, après soleil, baume pour le corps, baume pour les pieds. Là, j'ai tout ce qui est soin des cheveux, enfin ouais, soin des cheveux. J'ai de la mousse, j'ai mon protecteur de chaleur, j'ai mes grosses brosses, j'ai mes pinces. J'ai mes huiles et dans tout le dernier j'ai mes produits, mes shampoings et mes après-shampoings qui sont ouverts. Ensuite on remonte, j'ai mon miroir avec ma lampe, ma fenêtre. Ensuite j'ai mon lit, donc sur mon lit j'ai un rideau de fil comme ça qui sépare en deux avec un attrape-cauchemar. J'ai une lampe là-haut que j'utilise jamais. J'ai toutes mes box, mes little box que j'ai eu. Là, j'ai des pluches. Voilà. Là, j'ai tous mes parfums. Donc, il y en a des vides et des remplis. Là, j'ai un cadre. Au fond, là-haut, il n'y a rien. J'ai encore une box. Là, j'ai tous mes magazines et mes livres que je suis en train de lire. Ma lampe. Je sais pas pourquoi, bah, elle s'éclaire pas comme chez moi. Bref. Là, j'ai une bougie avec une crème pour les mains, des mouchoirs. Ma couette avec bah, mes coussins. Sur mes... Voilà, j'ai des pluches. Ça, c'est un lapin crétin, un mignon. Et ça, c'est ma pluche que quand j'étais toute petite. J'ai un sac là. Un sac là. Sur ma penderie, j'ai trois chapeaux. Et j'ai un sac, deux sacs, trois sacs et quatre sacs. Et derrière, j'ai ma penderie. Qui doit être en bazar parce que j'ai vraiment rien rangé avant de faire cette vidéo. Voilà. Donc en haut c'est tout ce qui est pull. Là c'est tout ce qui est pantalon et tout ça. Là c'est les jupes, les robes. Et ça c'est mes sacs de côté. Et en dessous c'est mon fourre-tout quoi. Là c'est mon sac pour mes produits terminés. J'ai des trucs pour le sport. J'ai plein de cartes au fond avec plein de choses dedans. Enfin c'est vraiment le fourre-tout là-dedans. Là j'ai mes casquettes, j'ai mon imprimante avec mes écouteurs qui sont sur une boîte où il n'y a rien dedans en fait, qui sert juste de support. J'ai mon bureau qui est comme ça. En haut j'ai, ça c'est tout pour mes vernis, ça c'est tout ce qui est soin, base, top coat. Ça c'est tous mes vernis foncés, tous mes vernis colorés ou clairs. Là c'est tout pour mon appareil photo, les papiers et tout ça. Là j'ai une Jägermeister, j'ai un bustier, là j'ai des boîtes pareil fourre-tout, j'ai un bain de chez Sephora avec je ne sais quoi dedans, des boutons, voilà, très intéressant. Au fond là j'ai une plaque où je mets différentes choses pour décorer, j'ai ma lampe de chevet, ça c'est des papiers, mon portable qui est en train de charger, un verre d'eau, j'ai mes deux ordis. Hop, là j'ai deux autographes de sa mère et de Jérémy Ferrari que j'ai vu en spectacle. J'ai des post-it, encore un verre, pot à crayon. En dessous, bah, c'est un tiroir fourre-tout, poubelle, housse, bordel. Et puis bah, là, c'est tous mes papiers et tout ça. Make-up pour mes deux ordis. Ensuite, là j'ai une bibliothèque, j'ai un premier vase. Avec une rose, c'est une vraie rose éternelle en fait, que j'ai eu à Noël de mon père. Et une orchidée, à côté j'ai un vase que j'ai acheté il n'y a pas longtemps chez Jiffy. Avec une pivoine, c'est ma fleur préférée, pareil que j'ai acheté chez Jiffy. J'ai trois bougies, ça c'est une fébresse qui est pétée.
Une Sephora à la vanille, et ça c'est une Glade à la vanille aussi. Là c'est mes boucles d'oreilles dans une boîte Thomas Sabot. Mes bijoux, bijoux, bijoux. Encore des bijoux, plein de bijoux. Voilà, là j'ai... ça c'est ma grand-mère qui me l'a fait. Ça c'est un cadre que j'ai depuis que je suis toute petite. J'ai des livres. Ça c'est les Me Too You, j'étais une grosse fan quand j'étais gosse. Des verres à shoot que j'ai gardé pour l'appartement, très important. Un mug que j'ai acheté chez Jiffy il y a pas longtemps avec une moustache. Et un beau hibou pareil que j'ai acheté chez Jiffy et que j'adore, qui sera dans le nouvel appart. Et là j'ai des dicos, des trucs de langue. Ensuite en dessous là j'ai tous mes livres pour les photos, mes livres de Fimo. Là c'est encore des livres que j'ai lus ou que je dois lire. Et là c'est tous mes livres de cuisine. Ensuite, tout ça, c'est mes anciens cours que je garde, jusque le bleu. Et ça, c'est tout ce qui est papier. Et pour finir, là, j'ai mon porte-vêtements, quoi, où je mets mes vêtements. Il y a des chaussures, enfin, voilà, c'est un peu le bordel. On va retourner là. Voilà. Donc, voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'est un bon moment, un bon moyen d'immortaliser cette chambre que je vais quitter bientôt. Je vais voir pour vous faire un room tour de mon appartement, où je vais voir ce que je ferai et je vous montrerai plus en détail comment j'ai rangé mes produits beauté et mes produits de maquillage. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis bah, je vous dis à bientôt.